Nous bénissons Dieu pour toutes choses qui ne cessent d'accomplir par notre modeste personne de ce vase de terre. Nous avons prédit que cette année serait essentiellement missionnaire. Mais nous l'avions commencé en amont. Au dernier trimestre, en décembre, nous étions à Lubumbashi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici à Accra, dans cette très grande réunion annuelle. Quand vous parlez chez vous des chapitres 44-45, une organisation comme Azusa Ministry est à son 400e édition. Ils les font presque une fois l'an. Le réveil, là, c'est le feu de Dieu. Il faut l'entretenir en y jetant de temps en temps le feu, que la flamme devienne une fournaise. C'est à ce titre que nous avons été invités ici pour parler avec les pères et apporter un discours. Les uns voient de loin. En nous suivant sur les réseaux sociaux, à la télé. Maintenant, ils ont voulu que cette grâce se déplace jusqu'ici. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous croyons toujours que chaque homme de Dieu ne se déplace pas pour rien. Il vient avec un mandat, avec une mission, avec sa particularité, ce qui fait la richesse même de l'Église corps, pour apporter une bloque pour la construction de l'Église corps de Christ, mais d'un espace anglophone ici au Ghana. Merci. Merci.